Bonjour. Une nouvelle méthode pour vous présenter les fiches, surtout celles qu'on ne peut pas filmer. Là, vous allez voir, je vais parler de vis, de joints, de roulement, de couple de serrage. Évidemment, on ne peut pas faire de vidéo là-dessus. Donc, je vais tester cette méthode. On passe au kit visserie pour les TY5080. Désolé, je n'ai pas les couples. Les vis pour le carburateur avec leur taille, leur référence et le nombre. Les vis pour le carter droit, le nombre, leur emplacement. Les vis pour le carter gauche, pareil, nombre et emplacement, là dans le tableau. Et les vis pour le bloc moteur. Vous voyez, ce sont les deux parties centrale du moteur, du bloc moteur droit et gauche. Et je finis donc par le TY80. Vu que sur le TY50 j'avais pas trop d'infos, je finis par le 80. Il y a un peu plus de choses, dont les joints, les roulements, la visserie. Elle était avec le TY50, c'est les mêmes. Ce sont les mêmes. C'est les mêmes. Et on finit par le TY80, au moteur vilebrequin, bielle, tout le nécessaire, et toujours en jaune les spies, en bleu les roulements et cage à aiguille. L'embrayage, toujours fondé sur le même principe. La fourche. Le kick et commande de kick. La noix, tout ça. La pompe à huile, le robinet de réservoir, les spies et roulements de la roue arrière, idem pour la roue avant, le sélecteur de vitesse et les commandes de vitesse, le T de fourche. Et enfin la boîte. Et en principe c'est fini, il n'y a plus rien là-dessus. Voilà, j'espère que c'est à peu près compréhensible. Bon, c'est un peu difficile de regarder les images, de lire, enfin d'écouter. Mais bon, on peut toujours faire pause hein, avec le Media Player et regarder ce que l'on veut. J'espère que ça vous aura plu. En tout cas, c'était une nouvelle expérience pour moi. Un peu difficile, je dois l'avouer. Je vais voir si je continue. Je vais proposer ça au staff, voir ce que ça donne. Merci.